Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le Floustube. Alors c'est le Floustube numéro 3 mais de l'année 2023. Voilà, alors je vous avais promis de vous refaire un Floustube ici fin mars début avril. On est début avril donc c'est bon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne fais pas souvent ma présentation, mais bon, je vais le faire quand même. Moi, c'est Edith, donc Lilith, voilà. J'habite dans le nord de la France, près de la frontière belge, voilà. Je suis dans ma 60e année, mes 60 printemps. donc, je les aurai au mois de novembre. Sinon, je ne travaille pas parce que malheureusement, je suis en invalidité, je suis mariée, voilà. Et j'aime tous les travaux d'aiguille, le tricot, le crochet, le point de croix. De temps en temps, le patch, mais c'est très très rare. Enfin, c'est parce que j'y pense pas, surtout. Et voilà. Puis bon, j'ai d'autres loisirs, le diamond painting, etc. Là, vous en voyez, mais ce n'est pas les miens. C'est ce chouchou. Donc, chouchou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon mari. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est Floustube. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas le Floustube, c'est un nom qu'on donne à la vidéo pour parler de broderie. Voilà. Du coup, je vais vous parler broderie. Alors, moi, là, je vais parler essentiellement de broderie, mais de point coupé. Voilà. Il va y avoir un tout petit peu d'estampé, mais presque pas. Parce que j'en fais de moins en moins. Voilà, je termine ce qui est commencé, on va dire. Et voilà, je me... Comment ? Maintenant, je me fixe sur le point coupé. Donc le point compté, c'est la broderie au point de croix également, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. L'estampé, c'est du point de croix, et le point compté, c'est du point de croix également. Sauf que là, ça va être sur une toile blanche, on a notre grille à côté, et on va compter donc nos points sur notre patron pour les remettre sur notre toile. Voilà, tandis que l'estampé, c'est une toile qui est imprimée et vous avez juste à suivre les couleurs qui sont imprimées en faisant votre point de croix. Voilà, cette petite présentation et cette petite explication donnée, on va rentrer dans le sujet. Voilà, alors peut-être que vous allez entendre derrière un tout petit peu de musique. Je vous ai mis une légère musique zen, voilà, pour accompagner un petit peu la vidéo. Bon, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Mais voilà, allez, je ne la mets pas plus fort, sinon on ne m'entendrait plus parler. Alors, on va parler ouvrage terminé. Bon, il n'y en a qu'un, mais il est terminé. Les ouvrages en cours. Les projets et les achats. Voilà. Donc, dans l'ouvrage terminé, plusieurs d'entre vous... Alors, je me mets en même temps sur ma tablette pour ne pas dire de bêtises. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu. Voilà, je suis là. Et donc, il est déjà encadré. Là, je l'ai retiré du mur pour vous le montrer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Par contre, il y a une vitre, donc voilà. C'est c'est écrit en anglais parce que c'est de Mia Stitch. C'est une créatrice que vous trouvez sur Etsy. Je vais vous mettre le plus de liens possible en barre d'infos si j'en oublie pas. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me les redemander en commentaire. Alors, c'est une créatrice ukrainienne. Et ça, c'est le... Je vais cliquer dessus directement, j'aurai le nom. Voilà. Pumpkin Spice Gnome.
Le gnome, alors spice et épicé, punky, ça doit être ça doit être des citrouilles. Donc voilà, le gnome avec les citrouilles épicées, puisque là, il y a des bâtons de cannelle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le faire. Donc, il y avait quand même du travail dessus, surtout au niveau du point arrière. Voilà, moi, les mots sont en français, hein. Je ne vous les dis pas en anglais. oui, surtout au niveau du point arrière. Vous voyez, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points arrière à faire. Alors, je suis désolée, ça reflète. Voilà. Pas de points spéciaux, que du point de croix. Donc, sinon, il était très, très agréable à faire. Les couleurs sont très belles, je les aime beaucoup. Si jamais ah ben oui, quand je vous mettrai la vidéo en ligne, la promo ne sera peut-être plus existante, mais il y a souvent des promos hein, chez cette créatrice là, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc la taille, je cherche. Voilà, donc ça faisait 14 cm sur 16 cm. Et moi, je l'ai brodé sur une étamine 12 fils, 12,6 fils. Voilà. Donc c'est une toile. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas crème. Comment ils appellent ça? Blanc cassé, voilà. Donc voilà, c'est le seul ouvrage qui a été terminé. Ensuite. Alors dans les ouvrages que je vais vous montrer, il y en a que vous avez déjà vu, bien sûr, mais je pense ne pas me tromper en vous montrant une nouveauté que j'ai commencée. La deuxième, vous l'avez déjà peut-être vue, mais c'est pour ça que je vais vous remontrer de toute façon. Vous l'avez peut-être déjà vue sur l'ancien Floustube. Alors je vais essayer au mieux, si j'ai bien toutes les photos, de vous remettre les photos où j'en étais au précédent Floustube. Voilà, je vais essayer. Alors, le premier, je mets dans une petite pochette action. Voilà, j'aime bien, mais elle devrait être encore un tout petit peu plus grande, ce serait bien. Alors, celui-là, vous l'avez jamais vu. Il y a mes fils. Parce que là, je vous montre pas l'intérieur de la pochette, c'est le boxon. Il n'y a que quatre couleurs, mais alors c'est le boxon. Alors, celui-ci, ça s'appelle. Alors, souvent, ce n'est pas des noms français. Je l'ai eu sur Etsy également. Le voici. Hop, que je me mette dessus. Voilà. Donc, c'est le Norwegian Sampler. Oh là, j'ai mon aiguille qui se barre. Attendez. Parce que... Hop. Voilà, va là en bas, toi. Voilà. Alors, Norwegian Sampler. Alors, normalement, là, j'ai pris un peu de retard. Mais comme j'étais à la clinique et que j'étais pas très bien non plus, j'ai pris un peu de retard. Mais ce sont des motifs, voilà, comme ceci. Donc à chaque fois, il y a une case à broder avec un fil en point arrière, voyez. Donc j'en étais arrivée là. Et il y a avec, donc il y avait une trentaine de cases, je crois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oui, il y a 29 cases plus encadrement. Donc, ça faisait 30. Donc, je voulais le faire en un mois et peut-être 2-3 jours en plus, parce que le cadre va falloir faire tout le tour hein.
Mais comme j'ai pris un peu de retard, du coup, il va être fait en un petit peu plus d'un mois. Voilà. Alors, je vous remontre où j'en suis. Là, vous ne l'avez pas vu la fois dernière. Ça, j'en suis presque même sûre et certaine. Donc, il y a quatre couleurs. Il y a le noir, il y a un bleu. Je vais vous donner les références. Bon, le noir, c'est le 310, hein, ça, vous savez. J'ai... Oh, c'est un boxon dans ma pochette. Alors, j'ai le 816. Voilà. Donc, voilà, là, vous voyez un peu mieux. Après, il est là. J'ai le 312. Donc, ça, c'est un bleu. Et le dernier qui se cache... Voilà, c'est un marron noisette. C'est le 435. Voilà. Et le noir, bien sûr, mais ça, bon, je ne sais même pas où il est, mon noir, hein, il est là. Hop. D'ailleurs, il va falloir que je remette une échevette, il y en aura bientôt plus. C'est le 310. Là, le noir, on l'utilise beaucoup parce qu'on fait les entourages de chaque case au noir, et vous voyez quand même qu'il y a une couleur dominante, le noir ici, ici, là c'est du bleu, mais le tour, là, le zigzag, c'est du noir, là, il y a du noir aussi, vous voyez, il y a quand même une dominante de noir, hein. Mais j'adore le faire. Je me régale à le faire. Là, ça fait donc 3-4 jours, 4-5 jours que je ne l'ai pas fait. Et je vais me rattraper cette semaine. Voilà. Alors, celui-là vient de la boutique Cliffside Stitch. donc, c'est sur Etsy également. Ils ont de superbes modèles. Je vous les ai montrés la dernière fois. Sur ma vidéo, qu'est-ce que j'avais fait comme vidéo pour les achats, peut-être, je ne sais plus, parce que je suis à peu près sûre que celui-là vous l'avez pas vu dans le showstube. Je me trompe peut-être, hein, vous direz. Ensuite, alors celui-là je vous le montre après. Oui. Alors j'ai une abonnée et qui est également membre de mon groupe, qui est sur mon Facebook depuis un petit moment, qui avait vu que j'aimais ce modèle, et elle me l'a offert. Voilà. Alors, hop, le petit dragon, comme ceci. Alors, c'est un modèle de Svitlana Sichka. Voilà, vous entendez assez souvent parler d'elle dans différentes vidéos des copines youtubeuses. C'est le Dragon White A Book, donc un petit dragon qui lit un livre, vous voyez. Donc là, j'ai tout juste commencé. J'avais commencé avant d'aller à la clinique. Bon, là, j'avais plus de pochette, donc j'ai mis dans une pochette du Sandy. Mais je vais la changer après. Alors, donc là, il est tout juste commencé, hein. Vous voyez. Il n'y a pas grand chose de fait encore. Voilà. Petit aimant de Sabine. Donc voilà. Bon, là, il est vraiment tout juste commencé. Alors, c'est sur une étamine. Et je crois que celle-là, ça doit être une 11 fils, si je ne me trompe pas. Là, c'est un ancien coupon qui me restait. Voilà. Et l'étamine, de toute façon, c'est ma toile préférée. Donc celui-là, ben, je vais l'avancer un petit peu à la fois. Là, je vous dis, j'en avais pas refait parce que ben, je ne pouvais pas. Mais je vais m'y atteler sérieusement. Alors, c'est vrai que pour faire tous ces modèles, j'ai la roue que l'on met sur le téléphone. De temps en temps, je m'en sers, mais des fois, j'oublie de m'en servir. J'ai une épine dans la main, tiens. Je l'avais même pas vu.
fait, hein, j'enlèverai tout à l'heure. Ouais, des fois je me sers de la roue, mais des fois non. Je prends comme ça dans mon panier, et puis voilà, au pif. Il y a une broderie par contre, que là j'ai pas besoin de faire marcher la roue, puisque automatiquement je la sors tous les jours. Donc c'est celle-ci. Oh, maintenant que j'ai vu que j'avais une épine dans la main, ça gratte. Alors, bon, il y a le tambour dessus, mais voilà. C'est ma broderie météo. C'est un modèle de l'année dernière de jardin privé. Donc elle l'avait fait pour 2022 et moi je l'ai adapté donc pour 2023. Donc on est en train de le faire en salle sur mon groupe. Là il n'y a que le pétale d'aujourd'hui que je n'ai pas fait. Sinon je suis à jour. Voilà, il n'y a que le pétale d'aujourd'hui. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous voyez. Bon, il a une drôle de tête, hein, mon poisson, mais j'ai mis un petit poisson sur le pétale du 1er avril. Voilà. Et les fleurs, les autres fleurs, ben, je mets une petite perle au milieu. Et ici, vous voyez, il y a un P parce que c'est le premier jour du printemps. Voilà. Là, il y a un petit cœur. C'était le pétale du 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Et sinon, alors je vais peut-être vous montrer ailleurs. Oui, là, vous verrez mieux. Quand c'est le premier jour du mois, voilà, je fais un petit papillon dessus. Bon, là, il y a une exception, puisque le 1er avril, ben, c'est le poisson, le 1er avril. Alors là, c'est sur une étamine... 11 fils qui est pailleté. Vous voyez? Ah, ça, c'est une toile que j'avais eue à Univers Broderie. J'aime beaucoup leurs toiles, elles sont pas chères et ils ont du choix. Voilà. Remettre. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'avais oublié le petit aimant de Sabine, de poussière d'étoile, et ça, alors je vous montrerai sur une vidéo, c'est un système que je me suis faite moi-même avec un aimant, et vous voyez ce que c'est? C'est une canette de machine à coudre. Voilà, et donc je vais coller un aimant, et comme ça quand j'ai un fil que je ne veux pas couper, bah je l'enroule autour et ça empêche que, bah, que ça se balade tout partout. Je vous montrerai sur une vidéo comment j'ai fait et comment on en fait, comme ça vous pourrez vous en faire. Alors, je n'ai pas avancé du tout sur mes pingouins amoureux. Donc Chouchou les a pas eu pour la Saint-Valentin et il les a pas eu pour son anniversaire. Mais j'avance pas dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal. J'ai du mal à avancer dessus. Pourtant, c'est un modèle qui m'inspire. Mais alors je vous les remontre. C'est cela. Donc, ils sont aussi de Svetlana Sichka. Voilà. Donc, c'est les pingouins avec amour. Ça, ils sont tout mignons, hein. Mais j'arrive pas à avancer dessus. Voilà. Voilà tout ce qui est fait pour l'instant. Alors, ça, c'est un aimant que j'avais eu à Jackie Krostich. Quand elle avait encore sa boutique, voilà, elle vendait des aimants et donc c'est un aimant de sa boutique. Alors là, vous voyez, il est sur un tout petit cuisse-nappe.
Voilà, c'est un qui fait 15 sur 15, si je ne me trompe pas, ou 20 sur 20, mais je plutôt. Non, 15 sur 15. Voilà. Oui. Donc ben là, j'arrive pas à avancer. Mais je pense que je vais m'agrandir la grille. Je crois que c'est ça le problème que j'ai dessus. Il faut que je m'agrandisse la grille pour mieux la voir. Et sur, parce que ce modèle-là, de toute façon, il est tout petit. Alors, attendez, je l'ai là, quelque part. Non, c'est pas celui-là. Ah, le voilà. Alors, il est encore en promo, lui, si vous voulez. Sa taille. 14 cm sur 14 cm, voilà. Sur de l'Aïda, 14 CT. Hein. Les tailles que je vous donne, c'est si vous faites sur de l'Aïda, 14 CT. Ça m'énerve cette épine dans la main. Voilà, je crois que j'ai réussi à l'enlever. J'ai pas fait mon jardin. J'ai fait la première tonte de pelouse. Puisque demain on a les premiers ramassages de l'année des déchets verts, et du coup ma pelouse en avait besoin, elle était comme ça. J'ai même eu un mal de chien pour le faire, et du coup je crois que je me suis planté une épine en ramassant des bouts de bois, et bon, c'est pas grave. Alors ensuite, j'avais commencé. Ah bah elle est où? Attendez, je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Un lily point. Bon, j'ai pas encore. J'ai pas beaucoup avancé dessus. Mais bon, je me suis mis en retard sur tous mes ouvrages avec cette semaine un peu chaotique. C'est un lily point. Alors. Je vous montre le modèle. Voilà, c'est le jus de carotte. Alors, vous pouvez le broder sur un torchon ou sur une toile. Moi, je préfère la toile, puisque le torchon, après, si ça se salit ou quoi, j'aurai les boules, carrément. Donc, voilà. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé. C'est pareil, j'essaierai de vous remettre une photo à chaque fois. Voilà où j'en suis. Bon, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'aime bien ma carotte. Hein. Vous voyez, elle fait quand même naturelle. Elle est vraiment très jolie. Là, je suis dans le A de carotte. Donc, de temps en temps, je vais là, après je retourne là. Voilà, je fais au gré de mes humeurs. Donc là, je l'ai mis sur un quick snap. Avant, il était sur un tambour et je l'ai changé. Je l'ai remis sur un quick snap. Là, c'est un 27 sur 27. 27,6, je crois. Voilà. Et toujours le petit aimant à Sabine. Bon, il y a beaucoup d'ouvrages à commencer. Celui-là. Ah oui, celui-là. Alors, je sais qu'il y a une copinette youtubeuse et qui est aussi sur mon groupe. C'est parce que, attendez, je me remets sur la bonne page. Je ne sais plus où il est celui-là, tiens. Ah non, non, non. Celui-là, ça vient d'un groupe Facebook, c'est vrai. Qui veut se mettre au Blackboard? N'est-ce pas, Mélissa? Alors, moi, bon, le mien a légèrement avancé. J'y vais doucement aussi. Bon, mon abeille n'est toujours pas terminée. Voilà. Hop. Voilà déjà toutes mes... Alors, pas très droit. Oui, c'est comme ça. Là, vous le voyez bien droit. Toutes mes alvéoles. Elles sont pas finies, hein. Il y en a encore à faire. Là,
j'avais commencé pour voir un peu les feuilles que l'on va faire autour. Voilà, toujours petit aimant de Sabine. Et ici, j'avais commencé une abeille que je vais faire là, mais qui n'est pas terminée. Alors, je vous montre les modèles. L'abeille, je sais plus si elle est là. Ah, si, elle est là. Alors, l'abeille, la voici. Mais je ne ferai pas la fleur. Je ne vais faire que l'abeille. Et c'est un modèle de Svetlana Sichkar. J'aime beaucoup, beaucoup ses créations. Et le modèle que je suis en train de faire, donc, c'est celui-ci. Alors là où il y a toutes les petites croix, bah, c'est ce que j'ai déjà brodé. Vous voyez, les alvéoles, il ne m'en reste plus beaucoup à faire. Hein. Mais après, toutes ces alvéoles vont être remplies, une par une, avec un motif à chaque fois en blackboard, en bicolore. Voilà. Et là, après, vous voyez, je vais commencer donc les feuilles. Là ou là, je ne sais plus. Enfin, bon, je vais commencer les feuilles. Alors, au début, j'avais commencé avec un feuille de des fils à soso. Ces fils teints à la main. Mais ça ne ressortait pas. Voilà. Donc là, bon, j'ai fait en vert comme ça. Mais bon, je ne suis pas encore sûre de la couleur des feuilles. Et je ne suis pas encore vraiment sûre de la couleur. Je trouve un peu fade. Donc, je sais pas. Normalement, on les fait en noir aussi. Hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore à 100% sûre que la couleur me va. Voilà. Donc là, c'est pareil. Pour l'instant, je fais mes petites alvéoles tranquillou-bilou. Et puis après, ben, je ferai les intérieurs des alvéoles, hein, un petit peu à la fois. Donc, voilà. Je range juste comme ça. Je remettrai bien tout mieux après. Hop. Tout est derrière moi, là, pour l'instant. Je voudrais me faire un petit tas. Je pense que dans les points comptés, commencer, bah, c'est tout. Oui, je vérifie. Alors, je vous remontre le sale que moi j'organise pour l'année prochaine, mais qui va commencer à être brodé cette année. Moi, je vais commencer à le broder avant tout le monde. Voilà, donc ce mois-ci, je pense que je vais le commencer. Ça va me permettre de voir aussi si j'ai pas fait d'erreur sur la grille, hein, on ne sait jamais. Je suis pas à l'abri, hein. L'erreur est humaine. Et je vais essayer de le broder entièrement avant que je donne la grille pour être sûr que je n'ai pas, ben, justement, s'il y a des erreurs à corriger ou quoi que ce soit, ou des petites choses qui n'iraient pas, que je voudrais changer. Voilà, donc moi je vais commencer à le broder certainement ce mois-ci. Et les personnes qui sont inscrites au sale vont commencer à le broder en juillet. Certaines vont commencer en septembre ou en août. Mais enfin, moi je vais donner les grilles à partir du mois de juillet, fin juin. Et comme ça, après, les inscrits au sale, les brodeuses ou les brodeurs, pourront le broder à leur rythme jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et à partir du 1er janvier, parce que c'est une broderie météo, à partir du 1er janvier, elle et ils n'auront plus qu'à broder les petites couleurs température de la journée. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais sortir la pochette, parce que sinon ça reflète. Hein. C'est pas top top. Comment me mettre. Voilà, la voici. Donc pour ce, alors vous, si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire, hein. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai déjà donné le premier fichier, donc le premier fichier, c'est ces feuilles là
Mais c'est pas les grilles. Vous voyez, là, ce sont les couleurs pour les températures. Et après, ce sont les instructions pour la toile, pour les couleurs, la liste des DMC. Mais pour la structure. Donc moi, la structure, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est la structure. Et ensuite, vous voyez, par fenêtre, il y a 7 petites vitres. Et c'est une fenêtre va correspondre à une semaine. Voilà. Mais je vous invite à vous... si je n'oublie pas, je mettrai dans les i, où je remettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite à aller voir mes deux vidéos que j'ai de présentation que j'ai fait sur ce salle. Voilà. Et si vous voulez vous inscrire, alors si vous n'avez pas de Facebook, vous le faites par email. Mais si vous avez un Facebook, je vous invite à venir nous rejoindre sur mon groupe de broderie. Pareil, vous trouvez en barre d'infos le lien pour venir nous rejoindre. Et après, donc, ça se brodera une fois qu'on aura fait toute la structure. Ça se brodera donc à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on se fera une petite fenêtre tous les jours. Voilà, une petite vitre, même pas une fenêtre, une petite vitre tous les jours. Voilà, donc moi je vais la commencer là bientôt, juste le temps de commander ma toile, parce que j'ai pas de toile, j'ai pas de toile pour celle-là, et voilà. Alors là derrière, est-ce que j'avais des choses à vous montrer? Ça oui, ben, on va faire ça, donc je l'ai dans les mains. J'ai, alors c'est de l'estampé. Mais je vous avais expliqué que celui-là, je veux absolument le terminer. C'est mon cheval. Alors, j'ai fait un petit peu. Voyez, je vous remonte tant bien que mal parce que comme je l'enroule, ben il se roule. Alors, j'ai avancé un petit peu ici. Bon, c'est un peu lancinant parce que là, c'est toujours la même couleur. Hein. Là, ça va être comme un blanc aussi. Et puis là, il y aura encore tout le vert qui sera blanc. Voilà. Et il me reste des choses sur le cheval à faire. Hein. Là, j'ai du noir. Avec, il y a des autres couleurs à rajouter. Là, j'ai continué un petit peu ici. Le dessus, là, c'est un genre de blanc. Et vous voyez, il manque des petits points par-ci, par-là. Sur son... Ah. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais le truc qu'on lui met autour de la tête. Voilà, après, là. Non, là, c'est fait. Oui, c'est surtout la lanière, là. Dans les oreilles, il reste encore un petit peu des points. Voilà, bon, après, par-ci, par-là. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, ce cheval. Il est vraiment très beau. Et pour une fois, pour un estampé, il est beau. Mais là, c'est un 14CT. Hein. Donc, le modèle fini, ça donne ça, voilà. Donc, c'est un Dual Sandy. J'essaierai de retrouver le lien, mais vous pouvez le trouver dans beaucoup de boutiques. Regardez sur la rubrique Dual Sandy et vous allez le trouver. Mais j'essaierai de vous remettre le lien de là où je l'ai eu, je ne sais plus chez qui. Hop. Voilà. Bah, tant qu'on est dans les estampés, alors là j'ai pris un retard monstre. Vous savez que je fais les fleurs du mois. D'ailleurs elles sont là. J'ai fait en décembre, novembre, octobre, septembre, août. Ah oui, oui, j'avais commencé par août. Alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, je suis sur janvier, il est où? Bah, où j'ai mis janvier? Oh! Il m'en manque une. Mais j'ai plus.
Ouh, faut que je regarde ça demain. Parce que janvier, je l'ai faite, c'est sûr. Je l'ai faite et je l'ai encadrée. Mais où je l'ai mis, je ne sais plus. J'ai une mémoire, mais de poisson rouge, mais alors de pire en pire. Bon, janvier est fait. Et là, je suis en train de faire février. Donc, vous voyez, je suis en retard. Donc, février, c'est celle-ci. Voilà, ça, je ne sais pas, c'est un genre de myosotis ou des petites violettes. Alors, je vous montre. Ça fait 2-3 jours que je suis dessus. Voilà. J'en suis sur les feuilles. J'ai presque fini les feuilles, hein, vous voyez. Toute la petite verdure. Le tour est fait, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que... Ouais, 2-3 jours, puis j'aurai fini. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait de point arrière dessus. Non, il n'y a pas de point arrière. Donc, nickel. Je termine les croix, puis c'est fini. Il va falloir que je regarde. Donc, voilà. Février. Et je vais essayer, alors, ce mois-ci, de finir février, de faire le mois de mars. Et de faire le mois d'avril aussi. On va essayer. Hein. Pas sûr. Je ne suis pas sûre. Alors, ça non. Ça, vous l'avez déjà vu, mais c'est pas commencé. Vous les avez vus sur des vidéos unboxing et sur des vidéos de comparaison. Donc, ça, je vous invite à aller revoir les vidéos. Alors, ça, c'est les nouveaux achats. Et alors, ici, en ce moment, alors, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a que je ne peux pas vous montrer maintenant. Vous voyez, je commence à trier un peu à la fois mes fils. Donc, pour celui-là, et quand j'aurai tous les fils, ben je commencerai. Pour celui-là également. Donc là, là j'ai la toile, j'ai presque tous les fils. Donc celui-là, c'était un Mia aussi, Mia Stitch, voilà, le petit écureuil de Noël. Mais moi, quand je vais le faire, je ne mettrai peut-être pas la petite phrase. Je trouve, j'aime pas la petite phrase. Il sera très bien sans. Alors, celui-là, donc celui-là, je ne vous montre pas, j'ai pas envie. Non, mais je rigole. Alors, je suis en train de mettre aussi de côté pour un Mirabilia, mais vous l'avez vu. Mais bon, celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je suis en train de commencer à mettre de côté les fils dont j'aurai besoin. Voilà, celui-là. Alors ça, c'est un Mirabilia, il est collector parce qu'il n'est plus vendu nulle part. Voilà, il ne se vend plus ce modèle-là, bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc celui-là, il est collector. Là, non, ça non plus. Mon panier est plein à craquer. Il va falloir que je le trie, mais pour enlever des choses que je ne fais pas tout de suite. Alors ça, je vais vous le montrer après. Ça, je ne vous le montre pas parce que c'est pareil. Je vais vous faire une comparaison. Alors, ça, c'est pareil. Alors, celui-là, bah, c'est dans les achats. Ah, celui-là, vous le connaissez. Voilà, la petite souris sur son épi de blé. Donc, j'ai commencé aussi à mettre de côté les fils dont j'ai besoin. Il m'en manque encore un peu. Et après, je ferai... Mais là, c'est un tout petit bout de toile, j'ai ce qu'il me faut pour le faire. Donc, pareil, c'est un Svetlana Sishka, toujours. Ça, c'est le Riolis, vous l'aviez vu.
de dimension. Ça, non, je mets là derrière parce que ça, je ne vous le montre pas maintenant. Vous verrez certainement cette semaine. Je vais très certainement vous faire une vidéo cette semaine dessus. Et alors celui-là, mais je ne pourrais pas vous montrer les fils. Mais j'ai déjà, vous voyez, il ne manque plus beaucoup. Il ne m'en manque plus beaucoup. C'est un petit gnome rose avec voilà, un petit cupidon. Gnome cupidon. De Miastiche. Toujours. Et il va être petit hein, aussi. C'est un 13-14 cm. Voilà. Donc là, les fils pour celui-là sont déjà bobinés. Et là, il m'en manque 3, 6, 7, 8. Il manque 8 couleurs. Et je pourrais le commencer. Voilà. Pareil, là, la toile, je l'ai pour celui-là. Ben là, je crois que je les ai tous montrés à part 2, 3, mais que je ne peux pas vous montrer maintenant. Non, 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 non. Pas question. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est rien. C'est un truc que je dois enlever. Ça, j'ai rien fait dessus, donc non. Voilà. Alors, mes achats maintenant. Ah oui, celui-là, je vous avais pas. Si je voulais, je viens de vous le montrer, mais je vous ai pas dit le nom. C'est de Barbara Anna. Donc c'est pas sur Etsy, ça. Hein. C'est un sur un site. Pareil, je vous remettrai le lien. Alors, mes achats. Je tourne sur la page de mes achats, c'est sur Etsy. Alors, celui-là, vous venez de voir, ça je vous l'ai montré, le dragon aussi. Voilà. Hop. Donc, celui-ci. Vous allez bientôt le voir, mais je vous montre l'image. Voilà, Svetlana Sichkar. Un petit gnome qui va au jardin avec ses tournesols. Donc j'ai commencé, bah, vous les voyez là à travers, là c'est une pochette action, donc vous ne pouvez pas les voir dedans. Mais j'ai commencé à mettre de côté les fils que je vais avoir besoin. Vous voyez. Donc des jaunes, du orange, du marron, du noir. donc là, pareil, quand j'aurai tous les fils, ben, je vais le commencer. Donc ça, c'est une nouveauté que j'ai achetée. Vous le trouvez sur Etsy. Et ça s'appelle le Sunflower. Voilà. Donc c'est un gnome. Sa taille... Une fois terminé, description, ah, elle est là. La taille, une fois terminée, toujours sur une Aïda 14CT. Mais moi, je ne broderai pas sur du 14CT. Je vais le broder encore sur de l'étamine, ma toile préférée. Ça fera 18 cm sur 15,5. Donc, vous voyez, il sera un peu plus grand que les autres. Mais ça va. Bon, là, il sera dans ce sens-là, du coup. C'est avec la petite brouette. Donc, voilà, un de mes achats. Je crois qu'il est en promo. Oui, il est encore en promo. Donc, il vous intéresse. Alors, tout ce que je vous montre, bien sûr, c'est du point compté. Hein. Ce n'est pas de l'estampé, c'est du point compté. Ensuite... Celui-ci, je suis dans ma période de gnome en ce moment. Hein. Donc, alors, il est où mon petit gnome? Je viens de l'avoir hein, en plus. Ah, il est là. Voilà, celui-ci, gnome champignon. J'ai trouvé trop trop beau, puis avec son petit champignon, là, plus grand que lui. Donc, là, par contre, c'est de Alexandra Zamorina. Alors, celui-là fera un
13 cm sur 13 environ. Voilà, c'est 12,70 sur 12,34. Voilà. Là, pareil, j'ai commencé à mettre les couleurs de côté. Voyez, donc là, il va y avoir différents rouges, un peu d'orange. Donc, il m'en manque plus beaucoup non plus pour celle-là. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas beaucoup de fils. Non. Ne rigolez pas. Je vous vois rigoler. Alors, hop, je le mets là. Ça, c'est ma fleur. Je vais la mettre comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y en a un que je vous ai pas. Moi, je vais vous le montrer après. Un en cours. Alors, oui, le voilà. Alors là, je vais vous le montrer sur la tablette parce que je ne l'ai pas encore imprimé. Et en même temps, ben, je vais vous demander votre avis. Voilà. Alors, c'est une... Ah, je ne sais plus qui c'est son pseudo. J'ai une mauvaise mémoire des noms. J'ai vu une... ce matin, justement, une abonnée de ma chaîne. Coucou Nicole. On s'est rencontrés ce matin parce que on est voisines. Elle est côté belge, moi je suis côté français et on est voisines. C'est elle qui a gagné le dernier concours pour gagner une broderie. Et sans le savoir, elle habitait à côté de chez moi. Et je lui ai dit, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Les pseudos, les noms, tout ça. J'ai vraiment une très mauvaise mémoire pour ça. Des visages, ça, vous allez mettre un visage que je connais au milieu de 100 personnes, je vais le retrouver tout de suite. Mais les noms, alors c'est une catastrophe. Donc excusez-moi d'avance, tout le monde, si un jour je parle de vous et que j'oublie votre pseudo ou votre nom. C'est normal chez moi. Alors, donc, j'ai quelqu'un sur mon groupe de broderie qui est en train de le faire. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc, c'est un monochrome. Donc là, le modèle est noir sur fond blanc. Et elle, je crois, elle le fait comment? Bleu, je crois. Je crois que c'est un bleu marine. Ou... Mais enfin, c'est avec du fil blanc aussi. Mais moi, je voulais le faire autrement. Alors, je veux votre avis, parce que je n'ai pas commencé encore, ni rien du tout. Hein. Voilà, ce que j'ai préparé. Alors, bien sûr, là, il va me falloir, il faut d'ailleurs que je lui demande combien. Il est en promo, mais encore 24 heures. Donc, peut-être que quand la vidéo sera en ligne, vous aurez encore le temps d'aller voir si jamais vous voulez vous acheter la grille. Alors, en ce moment, elle est à 2,87 €. Donc, ça vaut le coup. Alors, j'ai envie de le faire, vous rappeler ma toile. Alors. Non, non, non. Bon, c'est rose, c'est un vieux rose. Voilà. C'est de l'étamine, bien sûr. Alors, celle-ci, c'est de la. La 11 fil ou de la 12. Non, je crois que c'est de la 11 fil. Voilà, donc là ça va, j'en ai un gros coup pour moi. Et je ne sais pas, j'ai envie de prendre une de ces deux couleurs. Donc ça c'est rose. Alors j'ai envie de prendre soit ce rouge, c'est le 815, voilà, ou ce violet, c'est le 327. Ou alors je change tout. Je prends une toile blanche et je fais une blanche et brodée noire, mais brodée que du noir. Hein? Ou alors, mais là mes yeux ne vont peut-être pas être d'accord, faire une toile noire avec du blanc. Mais c'est pareil, broder que du blanc. Ou alors, j'oublie complètement ça, j'oublie ça, et je le fais avec un fil
aidez-moi. J'attrape Alzheimer, c'est pas possible. Hein. Je me moque pas des gens qui ont Alzheimer. Hein. Je dis ça mais pour moi seulement. Le fil qui change de couleur, le DMC. J'en ai, mais bon, je ne pourrais pas les attraper là. Je sais plus. Bah, vous voyez quoi je veux parler. Alors, à moins que je le fais avec un fil comme ça. Donc, je ne sais pas. Je me tâte vraiment pour comment le faire. Si je le fais en classique, donc noir sur blanc, blanc sur noir, ou voilà, le rose avec un rouge et ou un violet, ou le fil variation. Voilà. Le poisson rouge est passé. Oui, il a fait. le fil variation, voilà. Donc c'est un fil qui change de couleur sur plusieurs fois. Mais dans ce cas-là, le faire sur quelle toile? Voilà. Donc je sais pas. Donc là, je veux votre avis. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà, pour ce modèle. Alors c'est quand même un grand modèle. Vous voyez, là, eux, ils l'ont fait aussi. Hop. Rouge sur blanc. Là, blanc sur une toile vert-grise, un peu. Là, celui-là est joli aussi. Voilà. Un bleu sur du blanc, comme ça. Ça c'est joli aussi. Marron. Alors ça c'est quoi? Ah bah ça c'est noir. Le noir sur le blanc. Là. Bleu marine sur du blanc. Enfin blanc sur du bleu marine plutôt. Là. Vert sur du blanc, j'aime moins. Bleu marine sur du blanc, là, cette fois-ci. Et là, c'est tout. Voilà. Dites-moi, à votre avis, comment je dois le faire. J'ai pas trop d'idées. Je vous dis, j'avais sorti ça, mais je suis pas sûr à 100% de mon choix. Donc, donnez-moi tous votre idée. Et puis, je ferai mon choix par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, tu fais comme tu aimes. Mais justement, je sais pas trop là, ce que je veux. Ensuite, mon dernier achat que j'ai fait sur Etsy, c'est celui-là. Angèle, si tu passes par là, je t'en ai parlé. Hein. J'ai dit que je l'avais acheté. Donc, c'est celui-là. Je ne l'ai pas encore imprimé. Donc, ça, c'est un soda stitch. Voilà, les petits chats qui font de la couture. Donc, je trouvais trop mignon. Donc, il est en promo en ce moment, si ça vous intéresse. Donc, celui-là, il va faire la taille. Alors, sur du 14CT, par exemple, ça fait... Bon, j'arrondis, hein, puisqu'il y a des virgules. Ça fera 28 sur 44. Là, par contre, si vous le faites en 18CT, ça sera 22 sur 34, et on a même pour le 22CT, ce sera 18 sur 28. Voilà, et il y a 25 couleurs en tout. Est-ce qu'il y a des changements? Non, je crois que c'est juste des couleurs simples.
Angèle, si tu passes par là, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est juste les couleurs, qu'il n'y a pas de mélange de couleurs à faire. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas encore choisi ma toile. Là, sur Etsy, il montre plusieurs possibilités. Alors, soit sur une toile verte. Voilà. Allez. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'elle... Ah. Sur une toile couleur lin. Là, c'est joli. Ou sur une toile blanche, bien sûr. Mais les chats sont blancs. Donc, une toile blanche, les chats sont blancs, je trouve que ça ressort moins. Et sinon, là, mais je trouve un peu fade, là, par contre. C'est un peu jaune. Là, je trouve la couleur un peu trop fade. Ce que j'aime bien, c'est la couleur là. Là, c'est joli. Voilà. Là, tout ressort bien. Donc, corrigez-moi, mais je pense que je vais prendre cette couleur-là pour le faire. Bon, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le commencer, hein, non plus. Je voudrais d'abord terminer certains ouvrages pour me vider un peu. mais je vais prendre une toile couleur-là, mais en étamine. Je prendrai toujours de l'étamine. Voilà, je vous la remontre. Elle est trop choupinou, celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, c'est ça. J'ai encore un achat après. Enfin, plusieurs achats, mais je vais vous les montrer après. Je glisse. Là. Alors, je l'ai commencé, mais je n'ai pas encore mis tous mes fils. Il faut que je refais un tour dans tous les fils que j'ai reçus. C'est mon achat ED. Alors, j'ai mis dans le sac à tricot. Hop. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, bah déjà, alors après, il va plus rester sur le tambour, il va aller sur un cuisse-nappe, hein, parce que vous voyez, ça va. Je suis un peu limitée là. Toujours avec un aimant à Sabine. Et voilà pourquoi j'ai pris le sac à tricot, parce que bah, dedans, il y a toutes mes boîtes. Donc j'ai 4 boîtes comme ça pour mes bobines. Donc elles ne sont pas encore toutes faites, puisque là je suis dans le ciel, hein, donc j'ai pas besoin de toutes les couleurs. Mais un petit peu à la fois je les remplis, et là il y a une petite réserve de fil si j'ai besoin. Alors je vous remonte pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu ou qui ne connaissent pas. Désolée, il y a un pli au milieu du dessin. Voilà le modèle que je fais. J'ai craqué dessus et Chouchou a craqué dessus aussi. Il m'a dit non quand j'en avais choisi un. J'en avais choisi 2 ou 3 jour là. Il m'avait dit non, prends celui-là. D'accord, on prend celui-là. Alors, le nom, celui-là, c'est le Hayden Harbor. Voilà. Alors, j'ai pris le Color Expansion. Donc, c'est de Andy Russell. Voilà. Et j'ai 150 couleurs. Et en dimension... Alors, je ne sais plus en centimètres. Mais en nombre de points. Ça fait 425 points sur 318 points. Ce qui me fait... Alors... Oh là là, j'ai mis un boxon sur mon fauteuil. Alors, on va aller sur mon pattern keeper. Il est là. Alors, j'ai déjà brodé 1700, enfin déjà, c'est pas beaucoup, mais 1768 points sur 135 150 points à faire. Oh, ça fait fantôme là.
Donc, sur 100, j'ai en tout, j'ai 135 150 petites croix à broder pour cet ouvrage. Et là, donc, j'ai fait 1,31%. J'ai fait 1,5% à peu près. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Mais pareil, là, je me suis mis en retard sur tout. Et mais je vais avancer vraiment sur tout. Alors, pourquoi aussi je l'ai mis dans un sac? Parce que ça, c'est une broderie qui va durer très... Je ne vous l'ai pas encore montré. Qui va durer très, 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 très longtemps. Elle risque de durer 2 ans, 3 ans, on verra. Peut-être plus, j'en sais rien. Je verrai au rythme que je la brode. Donc j'espère quand même pouvoir la finir. Et avant que je vois plus clair. donc voilà, comme c'est une broderie, si je la laisse dans mon panier, même dans une pochette plastique, ça n'ira pas. Et j'ai peur qu'à la longue, elle se, que la toile se salisse. Donc j'ai préféré la mettre dans un sac à tricot, qui est un grand sac, et au moins je suis tranquille. Alors voilà où j'en suis. Je vous remettrai, si je la retrouve, la photo où j'en étais la dernière fois. Voilà. Donc, je suis toujours dans le ciel. Hein, pour l'instant, je suis ici. Voilà. Je suis là. Là, le petit carré, là, là, là. Voilà. Vous voyez, j'ai fait le petit carré, là. Et bon, bah, y a encore beaucoup, hein, vous voyez. Là, on va dire que sur le truc, là, bah, ça fait... Là, j'ai quoi? J'ai fait 10 cm sur 10, à peine. Ça fait quand même beaucoup. Mais je regrette, c'est de ne pas avoir commencé par l'autre côté plutôt, vous voyez. Parce que j'aurais vu plus vite des motifs. J'aurais peut-être été plus vite, mais bon. Une fois que cette partie du ciel est faite, voilà, après c'est bon, hein. C'est que je serai dans les motifs et ça motivera beaucoup plus. Alors, j'ai d'autres achats ED hein, dans mon pattern keeper. Mais bon, je ne peux pas tous les faire. Ou alors, il faudrait que j'arrête tous les petits ouvrages pour faire mes autres pattern keeper en même temps. Mais je ne peux pas. J'en avais un quand... Alors, je vais y arriver. Ah non, c'est là. Alors, moi, j'avais commencé, si vous vous rappelez... Non, je veux le PDF. Edith, arrête de faire des bêtises. Voilà. Hop. Vous vous rappelez, j'avais commencé celui-là. Voilà. Bon, c'est parti à la poubelle. Enfin, j'ai récupéré toute la toile, hein, je vous rassure. J'étais arrivée là, au-dessus de la tête. J'étais arrivée au-dessus de la tête. Ah bah oui, là, vous ne voyez rien. Ça reflète. Voilà, j'étais arrivée carrément sur le dessus de la tête, ici. Donc, j'avais fait cette partie-là, ici. Et puis, j'étais arrivée là, dans le rouge. Mais j'avais une erreur d'un point. Mais cette erreur d'un point, ça me m'enlevait une ligne complète sur toute la broderie. J'ai bidouillé pour rattraper et tout. Et puis après, ça m'a pris chou. Donc j'ai découpé ma toile. Bon, je dis pas que je ne referai pas. Hein, parce que... J'ai eu un peu les boules, parce que quand j'ai fait celui-là, de d'achat ED, quand j'ai commencé, à cette époque-là, j'ai pris que du... Oh, ça m'énerve que ça reflète comme ça, voilà. Je n'ai pris que des fils DMC. Donc ça m'a coûté bonbon, parce que là, il y avait 90 couleurs. Donc ça faisait 90 plus, je les avais payés presque 1,50€ je crois à l'époque, ouais, donc
avec la toile, tout ça, ouais, j'ai dû avoir pour 150 €. Mais bon, rien ne dit que je vais pas, que je le reprendrai pas. Et puis, puisque j'ai encore tous mes fils, hein, ça je les ai par contre. J'ai encore tous mes fils DMC, donc il suffit que je reprenne une toile et puis c'est bon, je le redémarre. Donc voilà. Et moi, j'avais acheté, non, PDF. Ouais, j'ai mis des. Attendez. Ah, ça y est, je ne sais plus appuyer. J'ai un truc bizarre sur ma toile. Ah, voilà. Voilà. Donc, le PDF, je vous l'ai déjà montré, hein, celui-là. Bon, là, j'ai ni la toile ni les fils. Hein. J'ai juste la grille. Voilà, celui-là. Je le trouve magnifique. Et dans les PDF, j'ai un peu mal au cœur parce que j'ai des personnes qui m'ont offert des grilles et que je n'ai pas encore pu broder. Donc ça me fait un peu mal au cœur d'avoir reçu des grilles qu'on m'a offert et que j'ai pas encore brodé. Mais bon, ça viendra. Et là, c'est le PDF qu'il faut ouvrir. Arrête d'ouvrir la grille. Note à moi-même. Alors, celle-ci, elle m'a été offerte par un de mes abonnés. Voilà. Elle est magnifique. J'ai vu quelqu'un sur le groupe HAED, si je ne me trompe pas, de Rose Cocon, de Julia, qui est en train de le faire, justement. Et il est vraiment très très beau. Alors celui-là, il est plus petit. Il y a 89 couleurs. Et il fait 229 sur 330 points. Pareil, j'aimerais bien le faire. Parce que bon, celui-là, en plus, il y a un qu'on m'a offert. Et c'est le Mini Asian Fantasy 3. Voilà. De Gradiana. Zielinska. Voilà. Donc c'est un modèle de 2012. Tiens. Donc j'aimerais bien le faire aussi, mais bon, et la même personne. Alors celui-là, c'est le PDF. Il n'y a pas moyen que j'ouvre le PDF. C'est la même personne qui me l'a offert. Ça, c'est pas un HAED, c'est une broderie, point compté. Voilà. Je trouve trop, trop mignon. Donc ça, je commencerai peut-être. Je voudrais bien commencer avant l'été, si c'est possible. En plus, il ne faut pas tellement, tellement de couleurs. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 et 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37 couleurs. Voilà. Ce n'est que du point de croix. Il y a 8 pages pour le faire. Et puis je le trouve rigolo, je trouve. Ouais. C'est un Duran Jones. Voilà. Non, mais il est vraiment mignon. La personne qui me l'a offert va se reconnaître. Voilà, donc vous voyez, j'ai les projets, mais faut que je les fais. Plus les broderies de poussière d'étoile, qu'il faudrait quand même que je brode, parce que je crois que j'en ai bien une dizaine maintenant. Et je n'en ai encore brodé aucune. Honte à moi. Note à moi-même également. D'ailleurs, je vous ai mis aujourd'hui une nouvelle hein, que je viens d'avoir. Voilà, puis j'ai des lits points en projet que je vous ai déjà montré également. Et je crois qu'il me faudrait deux vis, deux petites vis. Ensuite,
Alors, je vais vous montrer pour terminer cette vidéo mes derniers achats. Ça va aller très vite, hein, je vous rassure. On est quoi? Ah, on est déjà 1h10. Mais je sais que vous aimez les longues vidéos. Hein. Alors, Vinted est mon ami en ce moment. Alors, j'ai eu très peur parce qu'il y a eu des pirates sur le site de Vinted qui ont vidé les cagnottes des personnes qui étaient inscrites, enfin pas de tout le monde, je vous rassure, mais ils ont vidé les cagnottes d'un grand nombre de personnes qui sont inscrites sur Vinted, donc ils ont récupéré l'argent, mais ils ont récupéré également les numéros de compte bancaire ou de carte bleue, etc., qu'il y avait sur les comptes des personnes qu'ils ont volé. Ils ont parlé aux infos. Et j'ai entendu, et la société Vinted s'est engagée à rembourser toutes les cagnottes de toutes les personnes qui se sont fait voler. C'est très gentil à eux, hein. Mais bon, il faudrait peut-être attraper les pirates, voilà, les hackers, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, hein, c'est les hackers. Bon, moi ça va, y a pas mon numéro de carte bleue n'est pas dessus, mais c'est mon PayPal. Donc, mais bon, ça va, moi j'ai rien dans ma cagnotte. J'avais 6 euros. Ça, mais voilà, on est à l'abri nulle part quand même. Hein. Donc, voilà, si vous voyez qu'il y a un truc bizarre sur votre compte Vinted, ben, prenez contact avec Vinted parce que c'est peut-être à cause de ça aussi. Voilà. Alors, donc, cette semaine, alors du coup, en ce moment, ben, quand j'ai acheté mes livres Country. Point de croix, le ABC Country et le Country, enfin les deux livres de Country. J'ai cherché, maintenant je regarde, je feuillette un peu Vinted, pas pour les vêtements ni tout ça, moi, c'est vraiment pour la broderie. Et j'ai trouvé des petits bouquins donc qui me plaisent bien. Non, Fifi, tu le laisses faire dodo. Alors celui-là, il est de Françoise Clausel. Ça s'appelle les marquoirs au point de croix. Et c'est de la collection de Fil en aiguille. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui ont sorti des livres. Je les ai vus sur Vinted, mais bon, tous ne m'intéressent pas. Il y en a plusieurs. De cette édition là avec des différents créateurs. Voilà, je vais y arriver. Alors dans ce livre, nous vous proposons des motifs inspirés des marquoirs traditionnels à broder au point de croix. Ces créations originales vous permettront de décorer votre intérieur selon votre inspiration. Des grilles à point compté et leurs légendes de couleurs vous aideront à réaliser ces dessins pour votre plus grand plaisir. Alors par contre, je les ai eus vraiment pas cher du tout. Celui-là, j'ai dû l'avoir à 2 euros. Voilà. Hop. Bon, il n'y a pas une foule de trucs dedans, hein, mais bon, voilà, je ne peux pas vous montrer. Alors, je vous montre comme ça en vitesse que ce ne sont que des grilles. Voilà. Voyez. Je ne vais pas vous montrer plus, hein, pour spoiler et puis pour le copycat. La copie, voilà, pour chercher un autre mot, mais c'était pas celui-là. Donc celui-là, je l'ai eu à 2 euros. Je sais pas le prix réel qu'il coûte, mais bon, je l'ai eu à 2 euros. Celui-là, je ne le connaissais pas. Pourtant, là, je connais la créatrice. Alors, par contre, pendant le transport, il s'est un petit peu abîmé. Il n'était pas abîmé. Hein. J'ai vu les photos sur Vinted, il n'était pas du tout abîmé. Et pendant le transport, il s'est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, je l'ai eu à 5 euros. C'est de Isabelle Vautier. Voilà. Donc, c'est des samplers en rouge et blanc. Voilà. Donc, pareil, est-ce que j'ai... Alors, je sais pas si j'ai que des grilles ou des photos. Alors, vous voyez. Euh,
Oui. Vous voyez, genre des petites choses comme ça. Des petites choses toutes simples. Hein, voilà. Je vous montre pas plus parce que l'autre côté c'est la grille. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Celui-ci, vous voyez. Voilà, des petites broderies rapides à faire. Celle-là, vous voyez, elle est toute mignonne. Voilà. Des petites choses. Il y a des petites idées à reprendre. Hein, c'est que des petits sampleurs. Voilà. Il y a celui-là qui est mignon aussi. Oui. Voilà. Donc celui-là, je l'ai eu à 5 euros. Alors, je vous montre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc celui-là, 5 euros. Je ne sais pas son prix. Alors, il coûte 15 euros normalement. Je ne sais pas s'il existe encore sur Amazon ou... Les livres que je vous montre, je ne sais pas s'ils sont encore sur Amazon. Et celui-ci, j'ai eu envie de le prendre pour me donner des petites idées au niveau de l'encadrement. Voilà. L'art d'encadrer vos broderies. Alors, je pensais que c'était un tout petit... Je me suis... Maman, pas grave. Je pensais que c'était un tout petit livre, mais non. Vous voyez, regardez, il est grand. C'est un gros livre. Et en plus, j'ai eu la surprise de voir que le livre a été dédicacé par la personne qui l'a écrit. Voilà. Donc, c'est rigolo, je trouve. Donc, c'est un livre de Nathalie Brodu. Et... Donc, on vous montre toutes les techniques pour... pour encadrer. Bon, j'ai pas encore tout lu, hein. Pour l'instant j'ai survolé, mais voyez, genre de ça y est. Genre d'encadrement comme ça, par exemple, pour mettre un petit chausson que vous avez brodé. Celui-là j'aime beaucoup aussi, il est très simple, mais enfin, peut-être pas simple à faire, mais dans les couleurs, voyez. Bon, là, il faut un petit peu plus de matériel. Hein. Vous voyez, par exemple, celui-là, sur Noël. Là, il est très simple. Donc, voilà, j'ai voulu me le prendre pour me donner des petites idées. Celui-là, j'aime moi, par contre. Bon, il suffit de changer les couleurs. Hein. Je trouve que là, l'encadrement est trop grossier. Pour la petite broderie, mais bon, c'est mon avis. Voilà, alors celui-là, est-ce qu'il y a son prix normal? Oui, alors c'est un livre qui coûte 9, bien sûr, 30 euros et je l'ai eu à 2,50 €. La personne le vendait à la base 8 euros. Et bon, je ne m'étais pas décidée tout de suite, j'avais juste mis dans mes favoris sur Vinted, on clique sur le cœur et la personne qui vend sait que vous l'avez mis dans vos favoris. Et quelques minutes après, elle m'a envoyé un message en changeant le prix, elle m'a mis à 2,50 €. Ben là, je l'ai pris tout de suite, je n'ai pas calculé, hein, de 8 passé à 2,50 € pour un livre à 30 euros, je n'ai pas du tout cherché à comprendre. Je l'ai pris tout de suite. Et en fin de compte, je ne suis pas déçue. Il est vraiment très intéressant. Voilà. Là, je vous dis, pour l'instant, je l'ai survolé. Mais un petit peu à la fois, je regarderai d'un peu plus près. Et puis, regardez, il est nickel, le livre. Hein. Il est comme neuf. Hein. On voit qu'elle l'a feuilleté un petit peu. Mais c'est un livre qui date de 2004. Voilà. C'est un livre de 2004. Donc, c'est un livre qui a... bientôt 20 ans. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout montré aujourd'hui.
La vidéo était un peu plus longue que d'habitude. En musique. Je verrai au montage si ça s'entend, la musique. J'espère que YouTube ne va pas me virer ma vidéo parce que j'ai mis la... Mais c'est la musique qui est sur YouTube, donc normalement, il ne devrait rien me dire. Oui, je pense vous avoir tout montré, à part quelques achats que j'avais fait, mais que je ne veux pas vous montrer maintenant, que vous allez voir dans la semaine ou les jours qui suivent, parce que je vais vous les présenter et que je vais faire des comparaisons. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout montré. Alors, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, hop, en commentaire, n'hésitez pas non plus. Je vais essayer au mieux que je peux, c'est surtout si j'oublie pas, vous mettre tous les liens de ce dont je vous ai parlé. Bon, Vinted, là, je ne peux pas vous mettre de lien. Parce que je vous mettrai le lien de mon Vinted à moi, parce que moi je vends des livres aussi, mais c'est sur le cartonnage puisque je n'en fais plus, mais on sait jamais, ça peut vous intéresser. Comment, donc ouais, j'essaierai de vous mettre au mieux tous les liens que j'ai oui, chose que j'avais pas dit, l'encadrement là, c'est un cadre de chez Action. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Alors, je ne sais pas si je vous referai un flou sub dans 15 jours. Dans un mois, c'est sûr, mais dans 15 jours, je ne sais pas. Je verrai par rapport à l'avancement de mes broderies. Mais de toute façon, vous aurez des vidéos entre deux. Des unboxings, peut-être des hauls, des comparaisons, voilà. Si vous voulez des vidéos, bon, j'essaye, j'ai du mal en ce moment, hein, mais si vous voulez des vidéos, dites-le-moi, dites-moi ce que vous aimeriez. Puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Et pour moi, le savoir, petit pouce, aïe, mon pouce, il me fait mal. Cliquez sur les petits pouces, comme ça, je verrai tous les petits j'aime. Voilà, ça fait plaisir, ça fait connaître la chaîne également, puisqu'elle remonte, ça la permet de remonter dans les mémoires de YouTube. Et vos commentaires sont les bienvenus. Je vous fais plein de gros bisous. Il est presque 23h. Je vais aller au dodo. Je ferai le montage de cette vidéo demain matin. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.